Là nous voyons que expiation, qui ça que nous voyons? Nous voyons que c'est rançon, nous voyons que c'est yon moun qui prend place yon l'autre, c'est un monde qui a payé rançon pour l'autre. Nous avons un paquet de bagages de jour d'expiation. Maintenant que pour nous commencer, nous avons lu le premier verset, non? Que frère Joël, nous bien content que l'île monte. Bienvenue, frère Joël. Nous allons lire ensemble dans Lévitique 23, verset 22, non, verset 27 à 32. Que frère Joël appelé pour nous? De Lévitique 23, verset 27 à 32. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Père Joël, c'est Lévitique 23? Verset 23 à 24. Verset 27 à 32? Au 27 à 32. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel la baïa des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel Abaya, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Merci beaucoup, frère Joël. Qui ça que nous rejoignez? Jour d'expiation, c'est même jour que ça nous relève, jour du grand pardon. Et tellement de que pour nous humilier, non. Il dit quoi ça que tout le monde qui n'est pas ici, pour ne pas faire aucun travail du tout dans le jour ça. Moun ça pas à supposer dans peuple, en mi-temps peuple y'a encore. Il dit non, encore ça que son loi perpétuelle. Depuis le temps de perpétuelle, son on loi qui pour faire de génération en génération, jusqu'à présent que nous supposons observer. Ce n'est pas une loi qui est supposée finie. Et puis, ce sera un sabbat. Et Éternel insiste encore, un jour de repos. Et puis il continue encore, il dit nous comme ça, que nous allons commencer au soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Libanons tout détail. Qui gens que pour nous célébrer jour ça? Qui gens que pour nous avec lui, qui ça pour nous faire dans jour ça. Mais encore les ouais inspiration, ouais souffrance, ouais châtiment, ouais compensation, ouais rachat, ouais réparation, ouais tout ça que on monde cap essayer pour prendre faute lui, pour lui retirer lui, pour lui mettre le sur l'autre. On l'autre cap prend charge là pour lui. Nous pas continuer. On la garder qui ça Bible a dit non. Là dans Lévitique 16 verset 5 à 10. Lévitique 16 verset 5 à 10. Si. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël des boucs pour les sacrifier, expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel Abaya. À l'entrée de la tente d'assignation, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel Abaya et un sort pour Azazel. Aaron
fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel à Baïa afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Maintenant, qui ça que nous voyons? Merci beaucoup, frère Joël. Qui ça que nous voyons? Nous commençons verset, nous commençons à verset 5, bah, il fait trop long. Qui ça qui est passé avant? C'est deux petites araignées qui t'a le monde, qui t'a le dé, qui t'a dans l'autre qui est saint, ils ont fait ça que pas supposé faire, ils ont le tuer. Quand il a dit Moïse comme ça que dit Aaron spécifiquement mais ça pour faire. Ou prend deux boucs. Bouc là c'est cabrit que lire. C'est mal cabrit. Et puis ou prend un bélier pour offrir à locos et puis ou prend un taureau pour faire avec famille ou pour réellement faire maman de l'Éternel pour bénir pour famille. Mais ça qui est important, ça qui fait dire qu'on s'accorde la prendre deux boucs. C'est un bouc pour les sacrifier pour l'Éternel. Abaya, l'autre bouc là qui ça pour le faire lui, pour le faire un tirage au sort, ça ton l'autre là pour les sacrifier pour les bailler à Azazel. Nous on livre que n'appli les paroles du Créateur. Et puis nous voyons Azazel. Qui est Azazel là? Parce que si que ou pas le bail ou pas offrir un bouc à Azazel, est-ce que ou pas faire sacrifice pour Azazel? Est-ce que l'Éternel te dit comme ça que nous devons faire sacrifice autre dieu? Qui est Azazel là? Qui est Azazel là représenté? Qui est ce qu'il gagne? Regardez dans la Bible là où Azazel écrit avec A majuscule, c'est que qui est pour ce qu'il gagne? Est-ce que son démon? Est-ce que ils sont en déchu qui s'accueille? Est-ce que nous devons appeler la Bible là pour ne pas rester sous moi et puis pour continuer à aller? Dès que des monde qui fait lui, comme ces études que n'a fait, on a regardé pour nous qui sa Bible a dit de Azazel. Parce que première partie on a dû apprendre qui s'accueille qu'on fait. On regarde pour qui sa Bible dit de Azazel. On a dans Genèse 6, versets 1 à 4. Genèse 6. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'après la lumière. Combien de bons frères arrivent à ce... OK. Verset premier. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 125 ans. Verset 4, des géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On a expliqué ça nous. L'Éternel a commencé à peupler. L'homme commençait à peupler la terre. Gros paquet de filles qui fait qui étaient réellement belles. Gien c'est de ange. Le regarde moun sa yo dit comme ça que moun sa yo belle. Yo vinn intéressé yo pour yo venir entrer en relation avec yo. Et là que yo entre en relation ça, yo vinn faire série de vinn produit série de monde
Et mon salut, c'est quand c'est géant. C'est réellement mais de grand taille. Mais c'est en misérité pour la terre par le fait que ange a été créé pour te vivre éternellement. Et l'homme est créé pour te vivre pour 125 ans. Ce qui Jean bagay ça pour le faire, qui Jean que bagay ça pour le faire continuer. Mais on lit ça pour vous ou pas ouais Azazel. Mais nous connaît que c'est une ansayo terrele Azazel. Mais comme c'est étude n'a fait, nous pouvons aller dans le livre d'Enoch pour nous voir que qui ça est-ce que Enoch va nous plus information. On a dans le livre d'Enoch 7 verset 1 et 2. Et donc, 7, verset 1 et 2. Ceux-ci et tous les autres avec eux prirent des femmes, chacun en choisit une, et ils commencèrent à aller vers elles et à avoir commerce avec elles, et ils leur enseignèrent les charmes et les incantations, et ils leur apprirent l'art de couper les racines et la science des arbres. Or, celles-ci coururent et mirent au monde de grands géants dont la hauteur était de 3000 coudées. Yes, nous tendez grands géants, en nous prenant l'autre version de Enoch 7, verset 1 et 2, m'appelons la version pour nous. Il arriva que lorsque les humains se firent multipliés dans ces jours, il arriva que les furent les naquis élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants de Dieu, les enfants des cieux, les enfants du Créateur, vous voyez qui j'ai ôté les mouns, c'est les fils du Créateur. Ils vurent et ils devinrent amoureux et ils dirent les uns les autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayant des enfants avec elles. Jusqu'à présent, ça que nous disons là, nous parlons de anges, nous parlons de les enfants du Créateur et les enfants des cieux. Qui vraiment, qui est-ce que la femme de la race des hommes? Jusqu'à présent que vous dites comme ça que ou pas ouais, et Azazel. Pour que ça nous vienne sur ça. Ça fait nous vienne sur ça, nous pas qu'à commencer en histoire pour nan moitié. Nous baoul depuis au commencement. Kounya la, en aller dans Enoch 7 verset 10 à 14. Donc 7 10 à 14. Et ils se choisirent chacun une femme. Et ils s'en approchèrent et cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire. Et il devint impossible de les nourrir. Alors, ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Je vais voir la petite différence. On y a là. Nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez côté femme Sayo, des femmes, des belles femmes, yo approché yo commencé par souiller ou nan contact yo koun ya yap enseye ou seye de bagay que abaya pat pour ko vle que pou te comprendre ou sa pa de pou te comprendre ki sa ode c'est drogue c'est sorcellerie c'est la magie et puis ça qui était vraiment bien yo enseye ou les vertus des racines et des arbres que nous relé la botanique maintenant que Enoch insistait qui dit comme ça que
dans rapport ça que vinn faire te gon paquet ti moun ki géant mais là que tout ti moun ça a fait mais hauteur yo mais grosseur yo nourriture que abaya te prévoit pour l'homme n'a pas assez pour yo parce que yo vinn manger en pile koun ya la là que yo commencé vinn yo commence à dévorer moun. Et là que nous commençons à faire, l'homme commence à faire en façon pour protéger propriété, il a mangé bête. Il mange oiseaux, il mange reptiles, il mange poissons, il mange tout ça qui tombe en bas main. Mais il mange ni chair là, il boit ni sang. Étant donné que ce ange qui est, il pas connaît les lois de Abaya sur la terre. Abaya te dit nous comme ça que nous pas supposé boire sans bête là parce que sans bête là c'est amené que lié si ou ouais on moun a manger sans c'est am bête là que a manger c'est plus gros une plus gros péché qui existait parce que sans bête là pas de règlement on allait dans Genèse 9 verset 4 Genèse 9, verset 4. OK. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Kounyala, depuis avant, depuis le commencement dans Genèse, Abate dit nous consacre pas manger sang. Liban, nous devons manger. C'est de bête, mais on doit manger chair là. Mais sans c'est amenant lié, pas manger parce que la pas de règlement. Et bête ça yo, en ça yo, l'éovine sur la terre, petit yo a fait série de bagaille, yo gon paquet de monde qui géant, qui réellement haut, qui réellement grand, nous pas capable de contrôler yo, quand la terre c'est sans cap couler. C'est moun kap mouri parce que c'est quand on moun ta dit comme ça que ou ap gade yon movie on bête qui réellement ou ap gade on film on bête qui réellement on gros bête kap dévorer moun sur la terre mais ansayo you nan chef nan ansayo terele Azazel. C'est ça qui fait que nous commençons Baouli pour côté Azazel pour l'entrée. En allant même Enoch 8, versets 1 et 2. Et Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine. Et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, et les bracelets et les parures. Et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'embellir les paupières et les pierres les plus belles et les plus précieuses et toutes les teintures de couleurs et la révolution du monde, les piétés fulgurantes et générales. Ils forniquèrent et ils errèrent. Et toute leur voix fut courbée. Maintenant que nous voyons côté Azazel la vie d'entrer, qu'on y a Azazel, il pas enseigné famille, toute bagaille, la magie, la sorcellerie, toute bagaille drogue, non? Qui ça le fait? Là, enseigné qui j'en pour bataille, qui j'en pour faire couteau, qui j'en pour protéger tête, qui j'en pour fabriquer bracelet, qui j'en fait série d'ornements pour l'en peinture, pour l'en art, qui li mette la caille bon yo tout ça que qui gagne pour impur, li corrompu la terre. Kounya la, an sa yo a fait mal, Azazel vini la la inscrit bagay sa yo, kounya se désordre qui gagne sur la terre. Mais pas oublier les que ou verser sang en innocent
sans apmande justice. Pas jamais oublier ça. Pas jamais oublier ça. Les couvert on sent innocent versé. Maintenant c'est pas rien que le fait que bête la prenne, li mange, li dévore, li boue sans ni. Mais le monde ça a crié, âme ça a crié. Est-ce que l'Éternel attendait? Est-ce que l'Éternel apporte le secours? Est-ce que par un autre ange du ciel capable venir pour secourir mon ça? On nous continue dans Enoch 9 verset 1 et 2. Enoch 9 verset 1 et 2. Alors Michaël, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du haut du ciel et ils virent le sang répandu en abondance sur la terre et toute l'injustice commise sur la terre. Et ils se dirent l'un à l'autre, c'est la voix de leur cri que la terre désolée prie jusqu'aux portes du ciel. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Merci, Frère Joël. Là, où est-ce de en celle que Michael, Sauriel, Raphaël, Gabriel, Uriel, yo senti que gon bagay k'ap fèt. Lè que nous konnen que yo toujours parle de dont di gen on senti en sanctuaire dans ciel là. Kounya lè que yo gade sur la terre, yo wè c'est dévastation. C'est sans l'homme k'ap koule. Yo di ça k'ap passé. Et puis voir mon sa yo monter jusqu'aux portes du ciel. Qui ça que yo faire? Yo constater qui ça qu'a passé. Y aller rapporter à créateur. Mais ça qu'a passé. Excusez-moi si que me sauter en paquet de verset parce que me des besoin qu'on est pour nous prendre sujet, c'est que nous besoin d'aller aller Enoch pour qu'on apprend tout aspect. Les que yo vinn rapporter mais ça qu'a passé, mais ça gain sur la terre qu'on y a là, mais en ça que ou t'es créé yo, mais ça que y a fait sur la terre. C'est alors créateur by Raphaël, ange Raphaël personnellement en l'ordre. Pour les retirer, détacher Ezézol, Ezazel avec ciel là, pour le vouer sur la terre. On appelle ça dans Enoch 10, verset 6. Et au grand jour du jugement, qu'il soit jeté dans le brasier. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azazel, ni lui les pieds et les mains. Jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Judaël. C'est ça qui fait que nous comprendre que pour qui ça que yo accepté l'Éternel Dieu comme ça que la guerre l'autre boucabrit ça dans le désert là parce que c'est là Azazel habité. C'est là que Azazel l'a sorti. Même si que c'est pas yon question sur la foi, sur l'espérance, mais son connaissance que lié. Maintenant que ça pas empêché que nous continuer sujet à nous te des fond ouverture pour expliquer Azazel là. Antoine dans sujet non. Tu gagne deux boucabrit qui était réellement sain. Un an d'âge qui pas en quintasse yo gen yon que yo a sacrifié pour l'Éternel. Nous pour expliquer toute étape que Aaron a fait dans sacrifice là. N'a dit li c'est deux pour enseignement pour comprendre étude la paix devant. Parce que de nos jours nous pas fait sacrifice encore. Depuis que Yahusha a marché à Kevin verset 100 une fois, nous pas besoin faire sacrifice pour péché non. Mais n'a Dieu lili pour que qui ça qui t'est fait et puis après n'a Dieu pour qui ça que nous t'est lili
On allait dans Lévitique 16, versets 15 à 19. OK, Lévitique 16. Et avant d'aller dans Lévitique, quand ma petit rapprochement, ouais, là que je dévoué à Azazia dans le désert, tout géant ça, je devine détruire. Et géant ça, c'est eux-mêmes, les détruits sur la terre, c'est eux-mêmes qui viennent donner mauvais esprit captement de la terre. Donc, on a vu ça dans une autre. Côté que c'est même géant ça, après la destruction, c'est esprit qui viennent donner mauvais esprit qui continuellement jusqu'à nos jours, qui a des problèmes jusqu'à présent. Donc, ils font un petit parenthèse dans ça. OK. Merci, Frère Joël. Lévitique 16, 15 à 19. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Jusqu'à ce qu'il en sorte, il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel Abaya et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Et il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Kounia là, ça fait nous lire pour vous. C'est pour nous montrer où tout ça qui était fait dans le jour ça. Pour nous purifier le temple, pour nous purifier le lieu saint, pour nous purifier, pour nous sanctifier. C'est toute étape ça qui est faite. Nous n'avons pas besoin de retenir par cœur parce que nous n'avons pas fait encore. Mais où est combien d'étapes que Aaron est obligé de faire et puis il faut le faire, Jean que Abaya te dit pour le faire là. Ce n'est pas pour dire qu'on bagaille, qu'on doit pas être, ou dire, on fait ça, on va faire ça, non. Il faut faire li, point par point, parce que chaque point que vous avez fait, il dit, mais pour qui ça pour faire? Donc, c'est tout bagaille ça. Là que n'a réellement remercié Yahusha et Amashiach pour ça que l'été fait, il faut nous connaître que tout ça que nous pas besoin de faire encore. Là que l'été poté, tout, là que l'été fait que pour nous rencontrer, séparation que nous avons gagné avec papa, nous l'été retiré là, c'est tout bagaille ça, on n'a pas besoin de faire encore. Et ça fait nous juste lili parce que il y a des gens qui ne doivent pas jamais prendre temps pour appeler. Mais quand il y en a pour retourner, pour nous dire qui ça a fait avec l'autre boucle là, ça que a bail Azazel là. Nous parlons dans Lévitique 16, versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Qu'on y a encore, on dit comme ça que pour qui ça que nous lisons,
nous lili, c'est par le fait que ça ou Aaron a fait, que ne pas l'expliquer, li prend un peu deux mains, li mette sous tête bouc ça. Et puis gon parti que yo maré on bagay rouge nan tête en toile rouge nan tête bouc ça. Pour l'heure que y a le mettre dans le désert là, c'est que la pour tourner côté mon habité pour pousser li. Et puis l'heure que li prier, li prend tout péché peuple là. Li mette li tout louf, tout ça ou te transgressé, li transférer sous tête bouc là. Et puis li choisi, yo choisi un moun qui pour aller prendre bouc ça pour aller déposer loin dans le désert. Et moun ça faut li prendre un bain pour purifier tête li parce que la impure jusqu'au soir. Son bagage qui très 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 important. C'est pas tout le monde qui peut faire li. Mais ça fait que ça entrer nous-mêmes dans connaissance nous. Yo te kon fè ça en Haïti. On t'a parlé avec un frère l'année passée, m'a essayé contacter lui jusqu'à présent que on pas comme joindre ni. Yo te kon fè ça en Haïti. Même gens que nous wè, bouk ça, yo prier sur lui. Les que on ti moun fèt, yon l'âge ko donné, yo prend tout ti moun ki nan on paquet ti moun, yo fè que des fois que kon fò met men on sou bouk la même. Yo fait en prière et puis yo relâcher. N'a pas cherché connaissance là, n'a pas cherché dans qui année que l'était et puis n'a pas expliqué que qui est-ce qui t'est qu'on fait et l'est que yo fait là pour qui raison que t'est qu'on fait et puis nous pas le chercher pour nous connaître que est-ce que c'est dans même jour ça, même jour du grand pardon t'est qu'on fait. Nous pas prêter sur ça. N'a pas continué. Ouais, on peut continuer et sodia. Et par contre pour ça, on a été bon ouais, marié en trois rouges dans le cadre de Cognio. Par contre, signification, mais l'on a grandi. OK, là on a été moi ouais ça. Donc par contre c'est comme une signification pour ça au départ ça. Même des ouais ça en grandissant. Merci frère Joël. Merci, c'est réellement là que nous vers micro nous. Si gagne un monde cap ba nous toute plus lumière sur ça que sur pas gagne lumière col grand parent ou un monde qui réellement était là qui pour ba nous plus information parce que tout un paquet de bagages que nous qu'on a fait nous pas dit comme ça que nous qu'on sacrifier bouc là mais nous était qu'on prier sur un bouc relâcher. Et ça fait jusqu'à présent, si on a ici, on bête de yon, pas pour le pape maïen. N'a pas continué, nan, qui sa que pour nous faire encore, pour jouer dans jour ça, on a dans Levitique 16, verset 29 à 31. Levitique 16. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel Abaya. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une loi. C'est là que nous est dernier partie ça qui ça que nous dit nous quoi ça que faut nous humilier nous de temps que pour nous faire ça que Abaya dit que n'a faire et puis premièrement c'est on joue sabbat on joue de repos n'a purifier nous de péché nous. C'est un mot qui est réellement important parce que des fois que une série de monde cap dit comme ça que Yahosha est venu pour effacer péché non. Non, Yahosha est pas venu pour effacer péché en ken monde. Yahosha est venu c'est par le fait que nous te gain un problème,
nous te gen abaya te tournen doba nou pour nous retourner avec abaya. À partir de Yahoshai, nous devons tourner pour nous confesser péchés non, nous pas besoin à le faire en ken bouc, nous pas besoin à faire en ken sacrifice. Li permettre que li coule sans nous barrière ça qui était existé à les retirer li. Et ordonnant ça qui t'a tout pisé nous, nous t'a prié à Baya pour yo qui était trop pour nous. Li retirer que nous apprenons en Colossiens 2 verset 14. Colossiens 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant. C'est un bagage pour nous comprendre réellement bien. Lorsque yo di nou comme ça que li efface l'acte de ordonnance là. C'est même Jean ou gen doit dire en monde comme ça que on aller ou parler de les lois. Oh 613 lois sont bagage impossible. Est-ce qu'on essaye? Lorsque qu'on essaye, c'est que ou pas capable quitter le nan à baya. S'il veut li trop pour là est facile. Mais là que peuple a abjémé que la prière il dit ça trop pour lui pour n'y aller effacer lui mais gon paquet ordonnance et ça fait nous pas obligé faire aucun sacrifice encore c'est plus gros ordonnance que le retirer pour nous et puis qui ça le fait pour nous encore séparation ça lui retirer séparation ça nous te gagner avec nous te gon séparation entre nous-mêmes, te gon mur qui te séparé nous de Abaya. Et ça fait que Yahosha a été dit à la femme adultère, allez, pas péché encore. Il pas dit comme ça que lui retire péché. Ça qu'on a fait pas faire encore. On toujours prend ça en considération. Nous toujours connaît que qui ça qui joue du grand pardon. Grand pardon c'est pas sacrifice animal, c'est pas mettre main sur tête en bouc cabrit et puis pour la gueule en désert là. Grand pardon Abaya invité ou pour entrer dans ou même. C'est un jour qui plus saint pour le peuple Israël. Et la privée, jeudi, c'est Abaya vle. On nous prend premier verset, non? Dans Levitique 23, verset 27 à 32. Levitique 23. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel Abaya. Des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage sur cela, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel Abaya, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant où célébrerez votre sabbat. Kounya la nan deuxième partie ya ki sa ke nou wè lè ke ou a créateur di kon sa ke ou ap humilié ou ki sa sa signifie est-ce que n'ap humilié nou devant ni ou son n'ap humilié nou devant prochain nou an pran humilié ki sa signifie li fi signifie abaisser écrasé, avili, blessé, dégradé, insulté, modifié, offensé, opprimé, posterné,
abaisser, agenouiller, aplatir. C'est tout ça que ou besoin gen la caillou pour humilier ou devant prochain. C'est ou supposé humilier devant abaya chaque jour. Mais jour ça, c'est là que pour à l'apprendre qui gens que pour humilier ou devant prochain. Qui gens que pour mettre au corps pas en rien du tout. Abaya pas dit comme ça que c'est là qu'on voulait. Gon moun gen paquet moun gen dire oh me fait ça oui non li prend un jour spécialement il dou jour ça faut faire et jour ça gen des moun ki gen droit a di n'importe bagaille que ou vle parce que m pa kwè si ou kwè nan même abaya ke m kwè m pa konn gen sa ke ou kwè lè kwè abaya choisi un jour. Jour ça c'est un jour qui est important pour lui. L'aime jour important, lui important pour lui, lui utilise jour ça dans tout ça que l'a fait. Nous parlons dans humilier, nous parlons comment pour nous comporter nous. On a les kounya là qui importance jour ça gain pour abaya. Nous parlons on bagaille que le jubilé. On a dans le Lévitique 25 verset 8 à 17. Lévitique 25, tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats d'année feront 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retenir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans toute votre vie. Et vous sanctifierez le cinquième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vie non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Il y aura de sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis la jubilée, et il te viendra en comptant les années de rapport. Puis, il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre de tes récoltes. Il devra. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu peindras ton Dieu, car je suis l'Éternel Abaya aujourd'hui. Kounia la, gen bagay ke lo jubilé. Ki lè ke jubilé a ye? Chaque 7 ans, c'est une année. Kounia la, ou ap fè 7 fois 7. Qui vient 49 années. Dans la 50e année, c'est année de jubilé. Qui est que vous avez commencé à compter à partir du 10e jour du 7e mois? C'est notre fête qui vient hein, pour nous commencer à battre contre le jubilé. Maintenant que le jubilé est venu, vous avez sonné trompette. Un monde qui était réellement esclave des fois que gagne un monde qui gagne problème économique il pas cap réellement en soutenir une tête lui il accepter lui vendre tête en esclavage à leur ça arriver faut la gueule ou te doué au monde un cob leur ça arriver ou pas doué encore si que ou gagne terre leur ça arriver ou pas moissonner terre. Ou prendre terre, ou pas qu'à planter.
ou pas capable récolter parce que faut te reposer. Gen paquet moun ki di konsa ke kwè nan baya, sincèrement pa konnen ki sa ke kwè parce que peuple Israël ta nan esclavage pour 70 ans parce que li pat observé loi ça. Loi la tè la li pat observé. Kounya la ou gen wa wè ke anyen pa rive ou fè sa ou vle. On va l'expliquer un bagay bien. Si que tè la pa repose, à lè ke abaya di pou ki tè repose ya. Li pas capable pa ou fini ta ko besoin. Quand ki sa k passé, ça pa di nou anyen par le fait que lè ke tè la pa repose, nous di nou konsa ke pa gen fwi ki organique, pa gen fwi ki naturel, yo ba non paquet bay ke nou manje, nou pa konnen ki sa ke lte, ki jan ou fè yo, est-ce que c'est artificiel que nou asye yo. An nou pon tu exemple par exemple, ki jan ke, mam di exemple par exemple, gen, on ki gen do ari mwen sou li nan, ki jan ke Israel te kon fè, si ke yo gen yon ter, yo divise l an 7 parti. Premier 7e année, parti sa yo kite yo pa rekolte l. Se le sa ke yo mette li, se le sa ke yo fè fumier. Avec tout sa ko konnen fatra, et puis déchet animal, le sa ke yo fè fumier. De temps 7 ans, parti sa repose. Après 7 ans sa, yo pon l'autre parti. Abaya di yo kon sa ke, si ke wap vann on moun on terrain pou li plante, wap e chaje moun nan, se base combien tan kap genyen pou jubile ya. Supposons ke ou vann ni, kanko ke moun nan ap fe 50 ans wap balter la, la paye plus, parce que le jubile a vini la fe plus sans ke la utilize li. Mais si mon nan achete an nan men, c'est 20 ans que l'a utilisé, l'a paye le moins. C'est récolte ça que ou vend mon nan. Et puis a ba di kon sa que youn pa supposé tromper l'autre parce que depuis que jubilé a vinn rive, next jubilé a dans tout côté. Next 50 ans oui, yo commencé pa calculer 49 ans. 48 ans, tout le monde connaît jubilé ça. So, au monde qui dit qu'on sait que bagay ça ou c'est bagay passé. Nous pouvons tourner à célébrer tout bagay ça. Nous pouvons tourner à mettre tout jubilé ça en application. Nous pouvons dire nous qu'il est pour commencer à compter. Quand nous sommes sortis dans l'esclavage, nous perdus. C'est quand nous avons apprendre qui est ce que nous sommes. Et là que ou pas fait loi à bail à l'idée du fond bagaille, même si que ou parle dans l'esclavage, il n'y a pas de rapport avec encore. Parce que l'idée ou ça, mais loi, mais ça pour le faire. Et puis encore, là que Abaya a choisi en date, ce n'est pas seulement pour jubiler seulement. On nous prend le temps de noyer. Il fait noyer entrer dans le bateau. Nous y acceptons par la foi. Et qu'il est que nous y te connaît que il te gagne un souffle que le peut a flotter dans de l'eau encore. On a la Genèse 8 verset 4. Genèse 8 le 7e mois le 17e jour du mois l'âche s'arrêta sur les montagnes de Ararat. Ça t'est arrivé, c'est dans le jour du grand pardon, c'est dans le jour de délivrance là, c'est dans le jour que assurément nous étions dans le bateau ça, parce que les paroles en haut, les paroles dehors, assurément nous étions à prier, assurément nous étions à confesser, assurément nous étions à pardonner, assurément nous étions à faire tout ça qu'il t'a fait. C'est le ça que nous était vinn gain li sensi que kouni ala si que lâche la coucher en côté li pas flotter encore te gain terre
Bien entendu que les pas quitter la chasse, même l'heure, c'est que nous allons lire ce chapitre-là. C'est-à-dire que date importante pour Abaya. Et puis, quand il y a en aller dans le pardon, pour qui ça que l'important pour nous pardonner? On a qui ça? On a là ça où Yahusha a été dit non dans Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lès que Yahusha a été dit ça, c'est loi, oui. C'est loi, mon Dieu, pas l'observer que Yahusha a récité par oui. Kounya la, on a les côtés moun kap di kon sa que c'est fête cérémoniale. Pa kite que sacrifice qui était qu'on a fait emporté ou pour pas venir devant Abaya. Pa kite que ça que qu'on a fait ou lâcher bouc pour le mettre quand que son impact que les pour. Essayer entrer dans ou même. Penser avec ou même. Pratiquer qui ça que qui t'est fait même les que Yahusha était fin mourir pour il était fin mourir pour dire comme ça que aller pas pécher encore le gros jour du pardon ça c'est en fait c'est on ne dit pas en fait bien que vous mettez le temps en fait c'est pas en fait c'est on leur pour re-entrer dans vous-même c'est on leur pour de prière c'est on leur de repentance. C'est en l'heure de charité. C'est en l'heure de purification. C'est en l'heure pour préparer corps, âme et esprit. C'est en l'heure pour commencer ou sentir qu'on peut avancer plus près à Baya. Mais jour ça, avant jour ça, avant jour saint ça, pour nous préparer nous toujours faire un jeûne. Ça fait toujours faire un jeûne. Li pas facile pour apprendre pour avec ennemi pour demander pour concilier avec lui. Li pas facile ou gen va te faire mon bagage qui pas bien. Ou aller côté monde ça ou dit monde ça excusez. Ça me te fait pas bien. M'pas supposé faire ça. Mais Abaya Dieu consacre que même les que monde te fait un bagage, s'il pas gen courage pour venir côté ou pour dire monde ça pardon. Il est très important. Mais pas oublier seulement Israël. Important pour seulement Israël. Quand il y a la liste, vous reconnaître qui est à côté fait. Vous venez compenser qui est à côté fait. Vous connaissez la caille où gens qui ont réagi, que on m'a dit comme ça, que ou pas réagi bien. Ou passer sur ça, vous dites c'est comme ça mieux. C'est laisse ça pour retourner. Et laisse ça pour entrer dans vous-même. Pour entrer dans le système, pour entrer dans qui est ce qu'il y a. Et laisse ça pour entrer dans la conscience, dans la subconscience, pour entrer pour voir que qui ça pas de bon. Pour faire tout ça que vous êtes capable. Si que le dépend de prochain, de amis, de voisins, de famille, pour discuter ça avec moun ça pour retirer lui. C'est alors que ou pral paraître devant Abaya ou demander Abaya pour l'aider ou et puis frère Joël pral dit monde qui était dans en YouTube yo que n'a quitté au bon sabbat frère Joël pral sonner trompette là frère Joël pral sonner sofa là frère Joël pral dit monde comme ça que nous là nous vivant Abaya avec nous, Abaya a dirigé nous, notre frère Joël. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde qui est branché aujourd'hui, merci. Ok. Nous passons un bon sabbat, on a continué de passer tout le sabbat ça, avec Abaya.